Pour ma part, l'apprentissage a été un vrai tournant dans ma formation. J'avais besoin d'acquérir des compétences professionnelles et je pense que l'alternance, ça m'a permis de continuer les cours tout en gardant en fait un salaire mensuel. Car j'aime pas forcément l'école, je préfère le monde du travail et je voulais faire ça depuis petit, j'aime bien le monde des engins. Alors à la base, ça partait d'un stage d'observation que j'ai effectué dans une entreprise de TP. Ça m'a beaucoup donné envie d'être conducteur d'engins. Mais je n'avais nulle part où j'avais aucune piste. Donc un prof m'a aidé et m'a conseillé plusieurs établissements et il m'a parlé de cette formation en apprentissage. Je suis orienté vers l'apprentissage parce que j'étais pas trop scolaire. Puis j'avais aussi un projet ciblé, c'était d'atterrir en BTS aujourd'hui. Donc j'ai fait CAP, Bac Pro, BTS. J'ai eu l'aide de Madame Var, qui est la coordinatrice du BTS NDRC en alternance, et elle m'a aidé dans ma démarche de recherche d'entreprise. Donc des aides pour le contrat, avec Corinne Guneau, qui est l'assistante administrative du CFA. Elle nous a indiqué à moi et mon patron mon revenu, donc mon salaire, pour comme je suis mineur, il faut un tel pourcentage du SMIC. En apprentissage, c'est assez difficile de trouver une entreprise. Et du coup, Madame Barre, la coordinatrice de la formation, m'a beaucoup aidée, elle m'a accompagnée. Étant donné que moi, je viens d'une formation en biologie, du coup, j'ai trouvé même une entreprise qui était en raccord avec mes anciennes études. Alors, il y a un bon suivi, que ce soit au lycée ou en entreprise. Après, c'est vrai que parfois, ça peut être assez compliqué puisque en étant salarié, on a un certain rythme. Et ensuite, il faut revenir au lycée et faire le lien entre les deux. Ça peut être parfois compliqué, fatigant. Et du coup, faut rester motivé pour bien suivre les cours. Je le vis bien parce que j'ai un bon contact avec mon maître d'apprentissage et mes profs, même si au lycée et en entreprise, on n'apprend pas toujours la même chose, j'arrive à m'adapter car il y a un bon cadre. Bah, les profs, ils nous ciblent vers un but précis, avoir le diplôme. L'entreprise, ils nous forment pour avoir aussi le diplôme, mais plus encore, c'est pour derrière avoir comme idée de nous garder, de nous pousser plus loin pour qu'on soit après bien formé, derrière avoir l'emploi avec eux. C'est un choix, c'est quelque chose que l'on décide de faire et faut aimer le changement tout simplement. L'apprentissage au lycée, ça permet de rester en petit comité, d'être constamment suivi par les professeurs, que ce soit scolaire ou extrascolaire, pour des problèmes perso ou au niveau de la formation, on peut toujours se tourner vers eux et on garde cette ambiance lycée, que ce soit restaurant scolaire ou ambiance de classe. Au niveau du lycée, on a pas mal de ressources et aussi beaucoup d'acteurs. Donc notamment des infirmières ou des assistantes sociales. Par exemple, moi, mon parcours, il est assez atypique parce que je suis jeune maman et je sais que j'ai déjà eu besoin en fait d'aide au niveau des assistantes sociales et je sais qu'elles sont prêtes à nous écouter et nous aider pour pas abandonner la formation. Dans un lycée, l'avantage, c'est que les profs, ils nous suivent de A à Z. Ils sont là, ici, on cible des objectifs avec eux et puis on atteint l'objectif. Et puis aussi, c'est que y a la suite des études. Par exemple, CAP, Bac Pro, BTS, c'est tout ça dans un même lycée. Du coup, on prend nos marques dans ce lycée-là et puis c'est plus agréable.